Je ne sais pas si Guillaume est tombé véritablement sous mon charme. Comme ça, à vue d'œil, je ne sais pas. Ah, d'accord. Oh, vas-y, commence si tu veux. Au cours de ce rendez-vous, as-tu eu envie de moi? Oh là. C'est cash, hein? Super, hein? Alors, c'est un peu chaud comme question. Je veux dire, quelqu'un très joli, très attirant. Maintenant, je ne suis pas là pour ça. Et ça ne va pas traverser l'esprit. Je ne me suis pas dit, il faut que j'en vienne. Je ne me suis pas posé cette question-là du tout. D'accord. Voilà. Dans une soirée, si quelqu'un vient m'aborder et me demande, j'ai très envie de t'embrasser, je lui répondrai non. Voilà, pareil, j'ai envie de moi tout de suite, c'est pareil. Non. Je me suis sentie bien. Maintenant, l'attirance, c'est autre chose. Mais... La foire aux célibataires. Les hétérosexuels sont mis à l'honneur. C'est logique, presque. On montre dans cette séquence une femme. On demande ses impressions à la femme. La femme est centrale dans le mariage. L'homme vient chercher la femme. Importance dans la société contemporaine de la place centrale maritale de la femme. Un mot sur le complexe d'Œdipe. Œdipe fait l'amour à sa mère et il ne sait pas. Œdipe tue son père et il ne le sait pas. Quand il apprendra, ce sera l'horreur, ce sera le tragique. Le tragique reposant sur le sang, sur l'horreur et sur la pitié. Donc, dans le système occidental, la petite fille est attirée par son père et le petit garçon par sa mère, le complexe d'Œdipe, dans le système occidental, dirions-nous. La femme a le micro. Elle juge. Elle porte une appréciation sur son futur compagnon. On ne fait pas l'inverse, on ne demande pas à l'homme de juger, on demande à la femme. C'est une tradition judéo-chrétienne dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire dans le péché, dans la faute, dans l'exil, dans le jugement et dans le jugement dernier. Tradition judéo-chrétienne. C'est vrai que l'érotisme de cette chanson, quand c'est Olivier Ruiz qui dit au bout de mes tout petits seins, ça va. Ouais. Quand c'est vous, ça le mieux fait moins. Non, ouais, ça c'est mal. Pas pour vos noisettes tout de suite. Donc vos deux noisettes craquent. Qu'est-ce que... Ah, ça tient pas grand-chose, hein. Non, c'est sûr. Une voix, et d'un coup... C'est clair. Ballot. C'est ballot, hein. 500 euros, deux noisettes craquent. Joker ? C'est terrible. Alors, nous avons une cellule de suivi psychanalytique à la sortie de cette émission. Non, parce que là, je sens que vous êtes en dépression. Ah, complètement, là. Je sens que le camion fait... Ah, j'étais chaud, j'étais comme la braise. Et ben là, le chocolat, il est fondu, hein. Le jeu des chansons. Il faut retrouver les paroles. On régresse, on va dans le passé. C'est-à-dire que l'on n'avance plus vers le futur. On a la nostalgie. La nostalgie du passé. La personne qui chante est corpulente. Par rapport à Freud, il y a une approche de l'oralité, c'est-à-dire que la personne ingurgite des aliments, notamment nombreux, pour arriver à ce type de corpulence. On peut faire une approche avec la société américaine de consommation. La société de consommation poubelle. Nous sommes dans une civilisation de marchands. Monde, que peux-tu me donner? Et non pas une civilisation de héros. Monde, que puis-je te donner? On est bien dans une civilisation d'argent, une civilisation qui vient chercher dans un jeu télévisé de l'argent. On ne chante pas pour le plaisir, on chante pour gagner de l'argent. Monde, que peux-tu me donner? Le monde des marchands implique, par rapport à la SACEM, que la musique est très chère en passage télévisé.
de l'ordre de 2 euros la seconde. Alors, faire une émission télévisée sur la chanson, ça rapporte. Un antagonisme, le présentateur est mince, l'invité est corpulent. Il y a un mince et un gros. Ne nous cachons pas des mots émotés. On a une nostalgie cinématographique avec Laurel et Hardy. Laurel, le maigre, qui est dans le rêve, qui est dans une oblique. Et Hardy, qui est dans la matière, le bien manger, la bonne bouffe, l'argent, qui tient les cordons de la bourse. Et cet antagonisme fait que l'audience télévisée marche. On s'arrête sur l'image télévisée. L'audience télévisée est suffisante pour avoir, avec ce contraste, cet antagonisme du mince et du gros, une audience suffisante dans la télévision pour que le spectateur soit bloqué devant son écran de télévision. C'est pour annoncer de nouvelles mesures de prévention et de dépistage du cancer que Nicolas Sarkozy se rendra lundi à Marseille. Il s'agit du deuxième volet du plan cancer. Le chef de l'État rencontrera des malades et du personnel soignant. Il se rendra aussi au laboratoire de recherche de l'Institut Paoli-Calmette. François Bombard et Valérie Bourg font le point sur la recherche et sur la prise en charge des malades. Alexandre Vercasson se rend toutes les trois semaines à l'Institut Paoli-Calmette. À 57 ans, il est atteint d'un cancer de la prostate métastasée. J'ai eu une journée où j'ai senti mon corps des pieds à la tête. À chaque passage, un traitement lui est administré, mais ce n'est pas tout, car ici, le dialogue avec le médecin est essentiel. Vous avez bien pris la cortisone après ? Pour ce qui me concerne, je sais que je ne guérirai pas de cette maladie. Ça veut dire que je risque d'avoir des soucis dans un temps plus ou moins long. La séquence sur le cancer. Le présentateur dédramatise. Un gros plan unique sur le présentateur nous le montre tranquille, en costume, en cravate. Il fait partie des cadres dirigeants, éventuellement. Et il est tranquille, on ne voit pas la maladie, il la présente, il ménage les spectateurs de façon à les rendre plus tranquilles à ce qui va suivre. Le cancer, la dégénérescence des cellules anarchiques dans le corps, cela fait peur, c'est normal. Alors, regardons un peu le reportage et nous allons voir quelque chose de spécial. La perte de l'humanité dans un cadre vidéo. Côté rassurant du présentateur se fait par son immobilité. L'effet transtrave, c'est-à-dire du fond, derrière le présentateur, ce fond qui bouge doucement ou alors qui bouge avec un zoom en avançant sans que le présentateur bouge. Ça, c'est un effet transtrave. Et là, pour rassurer, pour montrer une image stable de l'humain qui rassure, sachant que l'humain devient intellectualisé, puisqu'il lit sur le téléprompteur des textes. Il n'a pas d'émotion à transparaître. Il est là une catégorie, une fonction. Il informe. L'information dépourvue d'émotion. Le speaker, la téléspeakerine, le présentateur. Un contraste, l'interview du patient par le journaliste qui montre un côté un peu plus de l'humanité, qui contraste avec le côté un peu fonction de la doctoresse qui prescrit un gros plan sur la main et la feuille d'ordonnance est important. Ce côté contraste humain, cybernétique, artificiel fait une accroche pour que l'audience se fasse en télévision. La conception médicale occidentale fait qu'une prescription n'enraye pas finalement, mais temporise une pathologie de façon à reculer la mort le plus longtemps possible. La reculer dans un futur lointain, entre guillemets. Nous voulons et nous aimerions tellement devenir immortels,
que la mort n'existe plus, que l'être humain ne soit plus être humain, mais qu'il soit Dieu. Signe des temps, les maladies comme le cancer, le sida, des maladies dangereuses, font peur bien sûr, mais on en parle. On en parle à la télévision et on ouvre les cabinets de docteurs pour pouvoir filmer. Donc, il y a une petite mise en scène, mais effectivement, la mise en scène est là pour transmettre un message. Mais quel est le message? Pourquoi? Pourquoi voyons-nous cette image? Demandons-nous pourquoi. Un élu va visiter un centre de cancer ou des centres de cancer futurs. Et ce reportage est là pour faire une médiation politique, finalement, pour l'élu qui va éventuellement asseoir sa notoriété et son futur électorat, puisqu'il demande des voix VOX pour lui. Donc en présentant ce côté reportage sur le cancer, ce n'est pas anodin, c'est pour faire une publicité politique et médiatrice envers l'élu. Les mains vides, c'est pas bon pour notre image. Je pense que tu es d'accord, non? Oui, c'est simplement pour répéter ce que j'ai dit. C'est une plaisanterie entre nous, il n'y a rien à comprendre. D'accord. Bon, en tout cas, tu contactes tes hommes et vous retrouvez notre bon samaritain. Merci. Allez, ma chérie, allons-y. Tu veux me mettre ça sur le bureau du patron? Merci, merci. Alors Mitch, t'as du nouveau sur Greg Walker? À partir de notre fichier, la seule photo qui correspond à celle du casino, c'est un cliché pris il y a 12 ans pour un boulot dans l'administration dans l'état du Colorado. C'est tout ce qu'on a. Depuis 12 ans, il n'a établi aucun dossier pour un travail, il n'a pas de compte bancaire, pas de dossier médical. C'est comme s'il avait voulu disparaître de la surface du globe. Ouais. Il a dit qu'il avait retrouvé le portefeuille sur Harmon. Je vais aller là-bas. Je te remercie. Des brigades du tigre où les acteurs moustachus et costauds roulaient un peu des mécaniques dans leur voiture, entre autres pour faire régner l'ordre et la justice. Effectivement, dans cette séquence américaine, il y a une présentation des policiers américains d'un autre type. Le héros est jeune, il est beau. Il est sûrement riche, puisqu'il gravite dans un conditionnement professionnel avec de la vidéo, de la cybernétique, de l'artificiel. Un peu dans le monde dans lequel s'engage l'Amérique en ce moment et qui sera sûrement son prochain cheval de bataille. Artificiel, cybernétique. L'argent, la jeunesse, le talent, la puissance, le pouvoir. Voilà le héros américain policier. Nous veillons sur vous, semble dire cet acteur policier. Nous veillons sur vous, nous veillons sur votre vie, sur vos biens, sur tout ce qui gravite autour de votre personne, de votre esprit, de votre âme. Rien ne peut vous arriver. Nous sommes des professionnels et nous sommes là. Mais une commission informatique et liberté, éventuellement dans notre système occidental, que peut-elle? Que peut-elle faire cette commission informatique et liberté? Nous sommes tous fichés, nous sommes tous sur des ordinateurs, etc. Notre passé, notre futur, notre présent bien entendu, est fiché. Nous sommes tous fichés. Nous sommes tous fichés. On sait qui et où et à quel moment. Éventuellement, nous faisons des empreintes génétiques via l'ADN sur des banques donc de prison, entre autres. Et les banques ADN sont la base maintenant pour les policiers, un outil de travail. Cela est banalisé. La loi est aussi banalisée.
on demande combien vous aurez d'empreintes digitales sur votre carte d'identité. Qu'est-ce qui est toléré? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui doit avoir une sanction? George Orwell, 1984, le Big Brother dicte, décide, impose ses conditions. Et l'être humain doit suivre la cadence, doit suivre le rythme jusqu'à mourir. Mais jusqu'où irons-nous? Patrick Bagouane, le prisonnier. Les gens sont fichés, les gens sont prisonniers d'un système. On ne sait pas les motivations, bien entendu. Est-ce un agent secret? Est-ce un fou furieux qu'on souhaite maîtriser? Patrick Bagouane, le numéro 6, le prisonnier. Ça fait référence un peu à ce système de vidéo, de caméra surveillance, où nous sommes filmés en permanence dans les supermarchés pour prévoir les vols, dans la ville, dans la cité, pour pouvoir surveiller tout ce qui se passe à l'insu, bien entendu, de la vie personnelle. Qui ne sait pas qui et où? On se pose la question. Qu'est-ce qu'un prisonnier, finalement? C'est être dans une cellule, être dans un cadre vidéo. Mais il existe le hors-cadre. Qu'est-ce que le hors-cadre? C'est la réalité. C'est ce qui ne se filme pas. C'est le rêve aussi. Puisque là, ce n'est pas dans un cadre. Le cadre rend prisonnier. Le cadre peinture, le cadre photo, le cadre vidéo. C'est une prison. Dans la série télévisée, le héros, policier, n'a pas de signe distinctif de sa fonction. Il est en chemise et en cravate, peut-être un banquier, mais sa façon de faire, sa façon de se comporter, c'est-à-dire de s'avancer vers les gens en plan communication et d'imposer une question, en ne laissant pas réfléchir le sujet sur la façon de dire « Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que souhaitez-vous » Et éventuellement, il impose, grâce à une photographie, il pose de suite sa question. Il va directement au vif du sujet. « Connaissez-vous cette personne ?» Il n'a pas la délicatesse de se présenter. Et il impose donc sa question. Ce qui est paradoxal dans cette série télévisée américaine, c'est que les gens sont comme conditionnés et répondent de bon cœur oui ou non. Bon, la plupart du temps, bien entendu, c'est non. Mais effectivement, ils donnent une réponse. Ils ne donnent pas d'appréciation sur le contexte. Tout est logique, tout est conditionné, tout est normal dans cette société policée. Les personnes sont conditionnées dans la série. Tout est logique, tout paraît normal. Effectivement, quelqu'un qui ne se présente pas et vous pose une question avec une photographie, vous êtes obligé de répondre. L'être humain est conditionné. Le policier, en posant sa question, fait penser un peu au marketing publicitaire, au matraquage publicitaire, au harcèlement publicitaire que l'on constate dans la vie de tous les jours via les affiches, entre autres, les journaux, la télévision, la radio, les autres masses médias. Effectivement, on est, par exemple, harcèlement au téléphone avec des publicités d'harcèlement de téléphone, de marketing qui obtempère et récidive tout le temps au détriment de la santé des personnes humaines. Le policier demande et obtient, bien qu'il ne soit pas à titre indicatif, avec un signe distinctif de policier, simplement une chemise blanche, une cravate, ce pourrait être un banquier, ce pourrait être un cadre, mais il est là, il se permet même de toucher l'épaule des gens, il a un pouvoir supérieur aux autres, semble-t-il. Et cette façon de faire n'est peut-être pas très respectueuse. C'est une façon de dire
et de faire qui est irrévérencieuse et aussi qui tolère une marge d'ascendant sur autrui qui est quand même quelque chose de particulier. Mais on le banalise dans cette série télévisée. Voici ce que peut faire un policier. Même si ce n'est pas un policier, ce sera ce que vous attend la société de demain. Une banalisation. Soyez bien conditionnés, bien sages dans vos fauteuils, et vous serez bien sous la coupole du pouvoir en place pour le futur. Je lui tire dessus. Mais prendre des risques leur permet de gagner correctement leur vie, en mettant à profit un savoir ancestral. L'exploitation du chiclé est héritée des tribus aztèques et mayas. Une fois recueillie, la sève du sapotier constitue une sorte de latex qu'il faut filtrer. Ensuite, les chicléros font un grand feu pour cuire ce latex. 3 heures de marmite et de bons muscles pour malaxer la pâte. Une journée de travail dans l'agriculture, ça me rapporte 100 pesos. Alors que si je fais du chiclé et que je récolte 5 kilos de résine par jour, j'en gagne 250. Une fois cuit, le latex a la consistance de la guimauve. Il est conditionné en barquette de 5 kilos. Chaque brique est ensuite signée. C'est le seul moyen de savoir précisément à la fin de la saison ce que chacun a récolté. Mais la production de chiclé a encore d'autres vertus. Sans le chiclé, ces hommes seraient contraints à l'exode vers les centres urbains pour trouver du travail. Ici, ils ont mis au point un système de coopérative. À qui profite le crime dans ce reportage dans l'Amazonie, donc d'une fabrication de latex? Le latex fait et récolté par des personnes humbles de la terre qui veulent éviter l'exode rural et rester dans leur pays et rester dans leur campagne. Mais à qui profite le crime? Débarquent des extraterrestres, entre guillemets, des équipes télévisées, journalistes, reporters, caméramans, perchistes, sont, et qui posent des questions. Et les gens sont si gentils qu'ils répondent aux questions. Mais à qui profite le crime? Qu'est-ce que ça leur rapporte à ces personnes? Ça rapporte bien entendu à la chaîne télévisée, évidemment. L'audience. Faisons de l'audience, faisons de l'argent. C'est ce que nous semble dire aussi ce reportage. L'exode rural est évité. Donc la condition de ces personnes est sympathique. Donc à qui profite le crime? Est-ce le latex pour une vie donc sympathique pour ces personnes de la campagne? Ou à qui profite donc ce latex? Les matières premières dans le monde, où vont-elles? Les matières premières qu'on raffine, à qui profitent-elles? Qui a les industries, qui a l'argent suffisant pour pouvoir transformer les produits et les revendre à prix d'or sur le marché et s'en mettre plein les poches? Qui, finalement? On est en Amazonie, l'image est rassurante, les images sont calmes, sont sympathiques, ça paraît normal. Ah, il n'y a pas de danger, effectivement. Il n'y a pas de problème, finalement, majeur, à part de tourner le latex pour qu'il prenne forme et éventuellement d'apposer sa signature pour récolter éventuellement son petit salaire. Mais effectivement, ce qui est particulier, c'est que les images sont manipulables. On ne montre pas, on ne parle pas effectivement de la faim dans le monde, ni aussi des disparités entre catégories sociales concernant la mort. On ne montre pas des images effectivement ayant attrait à la mort. On montre des images rassurantes et on ne montre pas le côté dangereux aussi de l'Amazonie, des serpents venimeux qui vous guettent à chaque instant, des plantes toxiques, des champignons hallucinogènes, etc. On n'en parle pas, effectivement. Tout est calme, c'est une carte paysage. Restons bien sages dans notre fauteuil, regardons ce qui se passe ailleurs. Nous n'avons pas besoin de partir ailleurs pour voir quelque chose. L'espace et le temps est à domicile. Effectivement,
ne prenez pas vos baskets, ne prenez pas votre sac à dos. À moins un jour, si vous le preniez, n'oubliez pas votre carte bancaire ni votre portable. Voilà le nouveau voyage, aujourd'hui au XXIe siècle. Produisons du latex. Mais pourquoi ? Saignons les arbres, de plus en plus. Pourquoi ? Éventuellement, notre société de consommation, notre mode de civilisation occidentale, fait qu'on a besoin de caoutchouc pour nos voitures, pour qu'on puisse rouler, pour qu'on puisse circuler, voire aussi mourir sur la route, entre autres, des fois. Mais effectivement, notre façon de vivre nous rend obligés d'avoir une automobile. L'automobile est le lien entre le travail et la maison, et le lien entre la maison et aller se nourrir dans des supermarchés, et le lien avec aussi les loisirs, et le lien avec les amis, et le lien avec la famille. On est obligé dans notre civilisation occidentale d'avoir une voiture. Que se passerait-il si nous n'avions plus la voiture ? Peut-être nous laisserions-nous mourir. Que faire ? Que dire ? Que penser sans l'auto ? L'environnement se dégrade. La nature pallie effectivement des efforts de l'être humain pour s'enrichir. On stocke, on épargne, on ne consomme plus au jour le jour, on mange par les yeux plutôt que par la bouche finalement. On épargne jusqu'à quoi ? Jusqu'à être plus puissant que l'autre ? Aujourd'hui, dans notre civilisation occidentale, le thème de la nature revient. Mais est-ce une nature que nous souhaitons maîtriser, comme dirait Descartes, maître et possesseur de la nature, le moi-je, le cogito ? Finalement, nous n'avançons pas trop, nous sommes toujours sous l'épaule de Descartes. Académique proposait son carrelage. Elle met d'abord de la colle, spécial carrelage. Tu mets plus l'espace. Elle place des carreaux à l'œil et les découpe au fur et à mesure. C'est l'opération.